un peu la côte. Voilà, on se retrouve à deux. En amoureux, c'est ce qu'on voulait. Voilà, on a lâché les deux autres clampins là. Il me semble que c'est à droite par contre. Le problème c'est qu'on a perdu du GPS avec. Ils vont faire la gueule. Méchant bruit ça. Méchant de sonnette. Feliz cuatro? Si. Si. Ah. Une de quatre. Vale. Vale. Dove sta il coche? Where are the car? Just... Vale. My car is in the street. Okay. Okay. Luego well, que hacemos. So, okay, okay, no problem. Vale, aquí. Ahí. Thank you. Vale, y luego me haces foto del DNI. Sí, sí. Al coche vamos, ¿vale? Vale, pues son 230. 200. Sí, espera, a ver. Oh, il fait bon. T'as tout compris, hein? Ah oui. No fiesta. No fiesta? Oh. Le coffre. C'est bon. Mouah. No fiesta. No fiesta la vie. No fiesta. No fiesta. Muy fiesta. Muy fiesta. Muy fiesta. Muy fiesta. Muy fiesta. Bye bye. D'ailleurs, le Port-Aventura nous a dit si on veut y aller, c'est mieux d'y aller à pied. Ouais. Ouais. C'est logique. Tu radotes avec Parson un peu. Il te l'a dit? Oui. Ok. Comment tu veux que je le sache? Bah, tu sais, c'est tout. Tu fermes ta bouche. Fais bisous. Ah. Ah. C'est à peu près. Oh. Ouais, c'est parti pour faire un petit peu ouf. Faut faire les courses, qui c'est qui se désigne? Là, tout de suite. Bah ouais. Bon, on va faire les courses ensemble, non? Attendez, venez là. C'est les initiatives. Il s'est chauffé pour les courses, mais est-ce que ça vous va si nous on fait à bouffer? Hein? Vous faites vaisselle? On fait nous deux bouffer, vous deux vaisselle, toute la semaine. Toute la semaine? Ouais. Et après, le rangement dans la porte, on gère. Chacun fait cher. Ces affaires prennent. C'est Mathis qui fait tout le ménage. Tous les deux zigotos là. On a quoi, Mathis là? Alors, on a deux multifruits, ouais. Deux tropicales. Ouais. Une pomme, jus d'orange, jus d'ananas. C'est ça. C'est quoi ça? Il a pris que du chocolat, mais moi j'aime bien c'est quoi ça? On en a déjà pris. Ah, je me disais, est-ce qu'ils ont... Alors, on a jus de pomme, jus d'ananas, jus d'orange, deux tropicales, deux multifruits. Ça vous va ça? C'est incroyable. Moi j'aime bien la fraise aussi, mais c'est quoi ça? C'est un melon. Oui, c'est marqué dessus. Allez, on est parti. Non. Tu prends des tomates cerises ou quoi? Tomates cerises ou pas? Vas-y. De quoi? Oh ouais, des tomates cerises. Je déteste ça. Bon, on va expliquer ce que c'est que les happenings. Oui. Avant les vacances, pour les vacances à Saloum, on prépare tous un happening. Donc un jeu, une activité, ce qu'on veut. Tout le monde est obligé de la faire. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de je fais pas. Non. Voilà. Tout le monde. Après, faut pas que ce soit un truc de merde, genre tu te tatoues, je sais pas voilà, quoi. Un truc de bâtard. En voilà. Gros, c'est à la limite du raisonnable. Voilà. Un truc drôle, qui fait rigoler, ou un peu gênant, mais pas de truc genre comme percer l'oreille, quoi, tu vois. Par exemple. Par exemple. T'es calme. Oh non. Va falloir se balader avec ça en ville. C'est ça ton truc? Est-ce que ça? Mon happening s'appelle le jeu du charqui. Alors là vous dites qu'il n'y a qu'un costume. C'est pour ça que mon happening se déroule sur 4 jours.
On aura tous un jour désigné. Et on pourra le porter toute la journée. Presque toute la journée. Hors événement, si on peut pas le porter, voilà. Si on va à un endroit et tout ça qu'on peut pas le porter, genre voilà, on l'enlève. Puis sinon, on le met pas. Il y a des moments où on peut pas passer, genre je sais pas, genre dans un magasin, on peut pas passer parce que le truc il est big, 2 mètres quand même. Le Sharky, c'est le nom du bonhomme qui sera dans le costume, devra respecter la volonté de ses maîtres. Il n'y a pas le droit d'abuser sur les défis que les maîtres vont donner. Si Sharky fait les défis, il n'y a pas de problème, rien se passe. Mais si Sharky refuse ou rate le défi, c'est sentence. Et donc Sharky devra faire une petite démo en public de ses talents de requin et devra imiter le requin pendant une longue minute en chantant Baby Shark. Si l'un des participants casse le costume, c'est grosse sentence. Il devra donc payer de sa poche une tournée pour ses camarades tout en faisant une cérémonie en l'honneur de Sharky et aura l'honneur de poster sa photo en tant que Sharky sur son compte Instagram car oui, on aura tous pris au moins une photo en tant que Sharky avant la petite excursion. À la fin de ce jour, il y aura un petit vote pour désigner le meilleur Sharky. Le plus réaliste pourra poster sa petite photo sur Instagram. Et il y aura un petit vote aussi pour le pire Sharky. Ah. Cette personne devra nous faire un petit 200 mètres crawl devant ses trois camarades. Pas avec le costume, ça marchera pas sinon. Si il s'arrête avant la fin du 200 mètres crawl, il devra le refaire. Déjà, mon planning, ça s'appelle la roue des problèmes. Je vais partir une roue, et en fait, la personne qui sera désignée devra faire le défi tout au long de vacances. Maximum. On devra faire une pause sirène, faisant sirène. Et la personne désignée devra mettre en story cette pause. Ça, c'est réduit en temps, tu vois. Et la laisser en story à une du voyage. Oh my god. Et non. Constant. C'est constant, un problème ton nom de défi là. Ensuite, tout à l'heure, on parlait des tâches ménagères. Genre, les deux qui font cuisine feront la vaisselle. Alors, ça, mon gars, par contre, ça, c'est pas négociable. Il n'y a pas intérêt à ce que ce soit négociable parce que c'est même plus en happening. Parce que les deux personnes désignées devront faire. C'est de merde. Ouais. Les deux personnes désignées devront faire toutes les tâches ménagères pendant une journée. De base, j'avais dit deux jours. Je me suis dit, un jour ça suffit. Ah bah forcément. Mais c'est fou. Allez hop. Je serai avec. Ah oui, c'est deux personnes. Constance sera avec Mathis. Tiens, dans ta gueule. Allez hop là. Comment elle est bien ce mini-drou? La roue des problèmes. La roue du plaisir, oui. Ensuite, la personne désignée devra 5 fois, sauf la nuit bien sûr, aller sauter dans la piscine lorsque les autres voudront. En gros, c'est lors d'une journée, 6 heures. Ouais, genre là, on est posé en train de manger, vas-y, va sauter dans la piscine. Ah. Allez hop. Il y en a un qui va se baigner. C'est pour Mathis. Mon happening, ça ressemble un peu à celui de Mathis, mais il y a des petites nuances. Moi, il y a une vidéo qu'Arthur il a fait, ok? Mais non. Dans cette vidéo, il dit, voilà, défi numéro 1, faut faire ça. L'équipe qui perd le défi a ce gage-là. Où ils vont mes petits cornichons? Mais alors, ça se passe bien le voyage? Bon, si je suis là, c'est pour vous donner des petits gages du truc de Marceau. Je sais même plus comment ça s'appelle, je m'en bats les couilles, moi je suis pas en vacances. Donc vous allez mettre un petit chrono pendant 30 secondes. Au bout de ces 30 secondes, vous devrez trouver un objet bleu. Donc vous mettez le compteur, vous mettez le minuteur, vous fermez tous les yeux, comme ça on est sur égal quoi. Et dès que ça sonne, vous chopez un objet bleu. Le dernier qui a un objet bleu, du coup il a perdu, il devra se prendre un poteau ou tomber devant des gens dans la rue. Au choix, bon, il n'y a pas de galère. C'est dans la maison. Hein. Ah c'est que dans l'appart. Non, dans l'appart, on a dit. Dans l'appart. Vous allez vous faire pousser. Quand je me suis fait pousser là. Dans l'appart. Je prends pas les couilles. Non, je suis pas d'accord. Comment ça, dans l'appart? Bah, j'ai vraiment dit dans l'appart. Que dans l'appart? Oui. Vous partez tous d'un point A et vous vous mettez un point B qui sera la ligne d'arrivée. Vous faites une course, celui qui perd, il va dans le coffre. C'est individuel aussi celui-là parce que vous n'allez pas être deux dans le coffre, c'est un peu chiant. Au pire, vous choisissez. Mais en gros, celui qui perd, celui qui arrive en dernier, dans le coffre. La course, on va faire la course. La course de voiture. Demain matin. On fait la course. On la fera demain, ouais. La course. Et en voiture, du coup? Non, quand on ira en voiture. Eh ben, on sort de l'immeuble demain matin pour aller faire les courses. Le dernier arrive à la voiture et monte dans le coffre. C'est le plus de temps en gainage. Donc là, pareil, je pense à vous, je pense à votre santé. Du coup, c'est en équipe de deux.
C'est en équipe de deux celui-là. Et celui qui perd, il doit se raser la barbe ou le crâne. Voilà, vous poussez le défi quand même. Celui qui perd, genre par exemple, si c'est l'équipe de Constant et Mathis qui perd, Mathis il se rase la barbe. Et si c'est Constant qui doit se raser quelque chose, bah Constant il se rase pas le crâne, puisqu'il le fait souvent, ça va pas être drôle, il se rase la barbe, genre. Défaite. Mec, t'es trop chaud sa mère. 4-40, frère. Je crois qu'ils vont pouvoir se raser tout parce que t'as fait leur score cumulé. Bien joué, Molly! Merde, j'ai rattrapé. Bonjour, messieurs. On a une tondeuse si vous voulez une coupe. Faites les tipeurs. J'ai demandé au coiffeur. Le client demande si vous faites les tapeurs. Non, je fais pas les tapeurs. Oui, fais les tapeurs. Je vais vouloir des dread roses. Des dread roses. Il fait les tapers si vous voulez. Bah des dread roses. Mais ça n'a aucun rapport. Mais si. Je vais demander s'il fait les dread roses. Vous faites les dread roses. Vous faites les dread roses. Non. Oui. Il fait les dread roses. Allez, super. En vrai, ça passe. Dans deux jours, ce sera pareil qu'avant. Et... Oh. Déjà planté comme ça, après on va toujours jouer à toi. Aussi on laisse le bouc, hein, c'est ça? Nah, il y a un sec, toi. Regarde-moi juste. Non, je t'en parle, là il y a rien. Là il y a tout, c'est terrible. Oh là. Comment c'est possible? Moi, c'est bien blanc. C'est bien blanc. Putain. C'est fou, vous savez. Ça commence à me casser les couilles. On me donne des corvées alors que je suis pas en vacances, moi. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Sachez que depuis tout à l'heure... C'est bien, ça, non. Sachez que depuis tout à l'heure, on a un gardien qui nous fait chier. Enfin... On pensait avoir un gardien qui nous fait chier. Jusqu'à que... Voilà. Parce qu'on faisait trop de bruit, du coup, il nous éclairait avec sa lampe torche d'en bas. Sauf que bah, ça continuait, du coup... Bah, sauf qu'on est rentré à l'intérieur et ça continuait. On faisait zéro bruit. Du coup, on comprenait pas. De là, on s'est dit, venez au Périgord, on sort, vite à la ville. Et en même temps, on va voir ce petit con. Voilà, et on a fait un petit message pour lui. Dos soluciones. O paras, o continuas. Es lógico lejos, pero ten cuidado si eliges la segunda solución. Las consecuencias serán terribles. Terminarás calvo como este tipo. Terminarás calvos. Calvos como este tipo. Ça, c'est une... Chauve en espagnol, ça, ça se dit calvos. On sort, je vais le voir. Et là, c'est de l'orage là ? Ouais. Ouais, bah. Je comprends, mais... Désormais, on s'est réveillé tôt. Très tôt, ouais. Très tôt. Là, il est 8h30, les gars. 8h30. Et Constant a dit à Mathis de sauter dans la piscine. Parce qu'on a le droit 5 fois. Une réaction à chaud à ceci. Hein? Bon, c'est très bien. Par contre, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Non, mais... Vas-y, mange ça comme ça. Hop, et tu vas. Tu lâches ton téléphone, t'as pas le droit, t'es puni. Il m'a dit, moi, tu manges ta brioche. Tu es. Oui, mais tu la gobes.
t'as le droit de la manger, mais tu craches quoi tout à l'heure? Ouais, quand on veut. Il s'est amélioré, hein? Celui-là, il était pas dégueu. Il était pas dégueu du tout. Quel est le programme du jour? Là, on remonte. Il fait caca, je fais pipi. Ça, c'est vraiment voir avec le programme du jour. Ok. Mathis va devoir se déguiser en Sharky toute la journée, devoir respecter nos défis qu'on va lui donner. On va faire la course. On va faire la course aussi pour aller dans la voiture pour savoir qui ira dans le coffre pour aller faire les courses. On va faire plein de courses. En essayant d'être le plus économique et le plus healthy possible. Ouais. Comme ça, la reprise après les vacances sera pas aussi dure que ce qu'on veut. Et après, petite plage, normalement. Petite plage cet après-midi, ouais. Petite bronzette, petite mer. Ce que je te propose, c'est qu'on fait notre affaire et on descend le Sharky pour faire les photos au bord de la piscine. Ouais. Elle est où la caméra? Ouais, je me disais bien que j'avais entendu le bruit. Coiffé pour mettre un. Ah, t'es pas con, moi aussi je dois me coiffer. Bouge pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors pour la course. Pour la course. Mathis, 10 secondes d'avance. Attends qu'il soit gonflé. Ah, puis. Sharky. Il faut que pas que tu sois le dernier à arriver à la voiture. 2. Mathis, c'est une course. Je peux pas courir. 4. Avance. 4. Ouais, allez les gars. Allez, la course. Allez, la course. La course, la course. Attends, je retire les gens. On court. On court là. Ça va, Sharky? Et il est premier, hein. Il est premier, il est chaud. Pas, hein. Allez, il court. Il a juré. C'est bon, Mathis? Ouais, c'est nickel, mec. Ah. Les gars. Salut les petits potes, là je suis dans le coffre de la voiture et je mange des chips. Je me régale. Par contre, le conducteur est un peu. Il est sec avec les pédales, on va dire. Mais bon, ça va. Qu'est-ce que je n'aime pas, Arthur? Tu es en train de dire que quand on est au passage, c'est le problème. Les gars, lâchez pouce bleu et abonnez-vous. Aujourd'hui, passer à côté de ces choses avec. À la chaîne, j'ai pas le nom, mais abonnez-vous et lâche pouce bleu. Wesh! Quoi qu'il y a? Il y a un truc qui s'appelle Keiko. Arthur, je t'oublie pas. Je t'oublie pas, Arthur. Les gars, en fait, on est où là? Pas de la plage. Oh, j'ai fait un saut dans le coffre! Sacré de Dan! C'est okay. Ma tête. La belle vie. J'ai mal. Faut droit dans le cou, il caille tellement là. Putain, ça dit quoi? J'ai chaud. Ah, ça marche. On est dans Salou. Ouais. Sharky est sorti. Et il se fait très vite remarquer. Hein, ouais, Sharky. Très vite. Tout le monde l'adore. En tout cas, moi, c'est déjà bien. On trouve pas trop de défis pour l'instant, mais en même temps c'est galère. On aurait été en France, ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais. Bon gros câlin au petit hot dog. Ouais. Ça le fait trop bien. Photo? Oh, photo. Ah, merci. Attends, bouge pas. Merci. Mathis qui prend une photo avec sa future meuf. C'est une nouvelle conquête. Mais faut faire payer les photos. Non, mais c'est simple. Mathis, 2 euros la photo. C'est simple.